Et tout le monde, c'est Soul sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire Drift Experience, donc on va se faire Initial Drive. Donc enfin, on va se faire une épreuve. De Drift. Hein. Bah, en vrai, j'ai envie de vous dire, ça fait un moment qu'on se dit on va se faire un jour une épreuve de Drift, et bah ça y est, c'est là, enfin. Bah, je vais vous dire, c'est peut-être pas trop tôt, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'avais dit qu'on allait faire du drift. Hey drifter, tu te souviens de moi? Je pensais pas qu'on se reverrait, je suis trop contente. T'as fait une grosse impression avec ta Supra. Shingo a même recopié ton sticker dragon sur sa NSX. En vrai, tu devrais venir voir ça, sinon il va encore bouder. En gros, cette voiture-là, elle est pas pratiquée comme bien. Comme tu sais, le drift, c'est un peu ma passion. Je vais donc te coacher. Alors, cette voiture, j'aime pas trop la conduite. Hein. Ça va être trop cool. Ah, vraiment, c'est super dur à conduire, de drifter avec cette voiture-là. Si tu veux faire du drift, accélère et drift. Ça paraît bête, mais c'est la clé. Ta Nismo est assez puissante pour glisser toute seule à haute vitesse. Alors, flippe pas de garder ton pied sur l'accélérateur. Ouais, bah cette voiture là, je l'aime pas trop là, pour le coup. En fait, je sais pas pourquoi, mais la voiture en fait elle est super lourde. Et puis je sais pas, elle se conduit pas. La maniabilité de la voiture, ça me va pas. Voilà. Bon, j'arrive quand même à faire l'objectif, hein, mais. J'aurais une autre voiture, ce serait beaucoup plus facile pour moi là, de. Vraiment. Là, si j'avais une autre voiture, ça serait plus simple. Bon, je suis désolé du coup de vous proposer quelque chose pas très propre, mais là j'y arrive vraiment pas. Hein. Là pour le coup, vraiment, je peux vraiment pas la conduire proprement cette voiture. Là, là vraiment je fais ce que je peux et c'est très dur. Bon, ça vaut tous okay. Les coups crédits du monde. Bon, cette vidéo va pas être très longue du coup. Après, les épreuves de drift en elles-mêmes, ça va pas être très long parce que c'est des épreuves de drift. Donc après, faut pas s'attendre à que ça soit très très long en tant que vidéo. Hein. Après, on sera sur des épreuves de drift en chrono, ça devrait être un peu, ça va être beaucoup plus long. Là, j'ai gagné une pièce en or. Or que ma voiture elle est d'origine, donc bon. Là j'ai une pièce en or. Et en fait avec la nouvelle mage maintenant on peut gagner plus souvent des pièces en or par rapport à avant. Et en vrai c'est quand même mieux parce qu'avant on gagnait pas beaucoup de pièces en or. Bon, la prochaine fois on se retrouvera pour se faire Gymkhana Grandmaster. Et oui, ça y est, on va se faire enfin la deuxième épreuve. Et oui, le moment enfin tant attendu, on se retrouvera la prochaine fois. Pour se faire la deuxième épreuve de Gymkhana Grandmaster, ça y est, enfin on entame dans la deuxième épreuve. Ah oui, hein, ça fait depuis le mois de septembre qu'on est en train de. Bah, qu'on fait la première course de. Et ça y est, on va faire ça. Et d'ailleurs, on va se retrouver le premier jour du mois. En 2024, cette vidéo va sortir. Donc, comme quoi, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est la première et. C'est la première course de la deuxième et c'est le premier jour de l'année. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, on se retrouvera le 1er janvier. Donc, le lundi 1er janvier, c'était Soul sans trophée.